Laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. Hulk Hogan est un acteur, lutteur et star de télé-réalité américain qui a une valeur nette de 25 millions de dollars. Cette estimation de la valeur nette comprend son règlement Gawker.com qui était initialement de 140 millions de dollars, mais a finalement été réduit à 31 millions de dollars, avant impôts. Ce nombre prend également en compte les dizaines de millions que Hulk a perdu dans le cadre de son divorce avec son ex-femme Linda. Au cours de sa procédure de divorce controversée avec Linda, nous avons appris que les bolises valaient environ 30 millions de dollars en 2009. Hulk a finalement été contraint de débourser plus de 70% des actifs liquides du couple, 3 millions de dollars en espèces pour couvrir les règlements de propriété et une participation de 40%. Dans ses différentes entités commerciales. Plus de détails sur leur règlement de divorce plus loin dans cet article. Hulk a également admis qu'il avait fait exploser des centaines de millions. Hogan était plus que tout autre individu responsable de la transformation de la lutte professionnelle d'une curiosité régionale en la grande entreprise de divertissement sportif qu'elle est aujourd'hui. À son apogée dans les années 1980 et 90, d'abord à la WWF de Vince McMahon, où il a gagné jusqu'à 1 million de dollars pour apparaître à WrestleMania VVI, puis plus tard à l'organisation WCW rivale de Ted Turner, il était l'une des figures les plus reconnaissables au monde. Et a pu se diversifier dans la télévision et les films. Hulk Hogan est né Terry Jean Bollea le 11 août 1953 à Augusta, en Géorgie. Quand il était encore bébé, la famille a déménagé à Tampa, en Floride, où Hulk a élu domicile depuis. En tant que jeune, son sport de prédilection était le baseball et aurait attiré des dépisteurs de talents professionnels de la Grande Ligue en tant que petit ligueur, mais comme pour de nombreux autres lutteurs professionnels, une blessure a mis fin à sa carrière dans des sports plus traditionnels. Il a découvert la lutte professionnelle à 16 ans, se mettant sur la voie qui allait changer sa vie et le monde entier de la lutte. Carrière de lutte. Hulk Hogan est surtout connu pour être un lutteur professionnel avec le WWF, maintenant WWE. La popularité de Hulk a culminé à la fin des années 80 et 90 lorsque pas moins de 30 millions de personnes se sont inscrites à un événement à la carte de la WWF comme WrestleMania. Mais sa carrière dans la lutte a commencé dans des circonstances beaucoup plus modestes, luttant un match pour la promotion de la CWF à Fort Myers, en Floride, en 1977, adoptant finalement un personnage masqué connu sous le nom de « The Super Destroyer ». Après qu'un animateur de télévision locale ait comparé Hogan favorablement à Incredible Hulkster Lou Ferrigno, le personnage de « Hulkster », qui ferait de lui une star a commencé à prendre forme, mais ce n'est que lorsqu'il s'est associé à Vince McMahon Sr. En 1979 qu'il a commencé à utiliser le nom « Hogan ». L'année suivante, il a également commencé à lutter au Japon alors qu'il était encore avec le WWF, mais après avoir pris le rôle de Thunderlip dans Rocky III, un travail qui lui a valu un cool 15 000 ainsi que de le présenter à tout un public qui n'a peut-être jamais regardé la lutte professionnelle auparavant, sans la permission de McMahon, il s'est séparé pour la première fois de la WWF. Il est revenu en 1983 après que le fils de McMahon a repris l'entreprise avec les yeux vers un succès plus grand pour le sport, et il voulait que Hogan soit le visage de l'entreprise. Cela a fonctionné, et avant trop longtemps, Hulkamania était un phénomène mondial de la culture pop qui s'est poursuivi sous une forme ou une autre au XXIe siècle. Vie privée. Hulk a épousé Linda Claridge en décembre 1983. Ils ont deux enfants ensemble, une fille Brooke et un fils Nick Hogan. Après des rumeurs d'infidélité de Hulk, Linda a demandé le divorce en 2007. À l'époque, il a été révélé que la valeur nette personnelle de Hogan était de 30 dollars. C'est la même chose qu'environ 40 millions de dollars aujourd'hui. Il a également été révélé que Hulk avait investi son argent dans plusieurs entreprises et biens immobiliers en Floride. Hogan gagne toujours de l'argent grâce aux ventes de marchandises et aux résidus avec sa marque, Hulk Hogan. Règlement de divorce. Lorsque le divorce de Hulk et Linda Hogan a été finalisé, il a fini par être contraint de lui payer 70% des actifs liquides du couple, 3 millions de dollars en espèces pour couvrir les règlements immobiliers ainsi qu'une participation continue de 40% dans ses diverses entreprises. Dans une interview à la radio en 2011,
Hulk a admis que le divorce l'avait essentiellement amené au bord de la faillite. Linda n'a pas reçu de pension alimentaire, mais elle a reçu 7,44 millions de dollars sur les 10,41 millions de dollars qu'il détenait dans des comptes bancaires et de placements. Elle a également pu garder une Mercedes-Benz, une Corvette et une Cadillac Escalade. Il a depuis réussi à se redresser financièrement. En février 2014, Hulk a rejoint la WWE pour la première fois en plus de 5 ans et a décroché un emploi en tant qu'hôte de WrestleMania. En juillet 2015, Hulk Hogan a été licencié de la WWE après qu'une série de commentaires racistes ait été rendue publique. En 2010, Hulk a épousé Jennifer McDaniel. Immobilier. En 1992, Hulk a payé 2 millions de dollars pour une propriété au bord de l'eau à Bel Air, en Floride. Ils ont rapidement démoli la maison existante et ont passé les années suivantes à construire un manoir somptueux qui a finalement englobé plus de 17 000 pieds carrés. La construction a été achevée en 1996. C'est la maison que les téléspectateurs ont vue entre 2005 et 2007 dans l'émission de télé-réalité « Hogan Knows Best ». En 2006, peut-être en prévision de leur séparation imminente, Linda et Hulk ont mis la maison en vente pour 26 millions de dollars. Deux ans plus tard, la crise financière et le ralentissement de l'immobilier ont frappé et à ce stade, les deux s'étaient séparés et cherchaient à liquider des actifs afin de pouvoir se séparer et aller de l'avant. En août 2009, le prix a été abaissé à 13,9 millions de dollars. Le prix a été coupé encore et encore jusqu'à ce que Hulk accepte finalement 6,2 millions de dollars en avril 2012. C'est 19 millions de dollars de moins que le prix catalogue initial. En 2014, Hulk a payé 3 millions de dollars pour une maison à Clearwater, en Floride. En 2016, il a payé 1,6 million de dollars pour la maison voisine. Procès Gawker. En 2012, Hulk Hogan a eu des relations sexuelles avec l'épouse de la personnalité de la radio Booba The Love Sponge. Booba s'est arrangé pour que la rencontre soit secrètement filmée avec une caméra de surveillance. À un moment donné, le site web Gawker.com est entré en possession de la sextape. Un éditeur a décidé d'en publier une version modifiée de 2 minutes sur sa page d'accueil. Hulk a demandé à Gawker de supprimer la vidéo. Lorsqu'ils l'ont refusé, Hulk a intenté une action en justice affirmant que Gawker avait envahi sa vie privée. En 2016, un jury de Floride a donné raison à Hulk et a décidé que le site web devait lui payer un jugement de 140 millions de dollars. Gawker a fait appel du jugement sans succès. Gawker a été contraint à une vente de feu. Le fondateur de l'entreprise, Nick Denton, a déposé son bilan personnel. En novembre 2016, Gawker s'est installé avec Hogan pour 31 millions de dollars. J'espère que vous avez apprécié cette merveilleuse vidéo. Cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'aimer.